Bonjour et bienvenue à Israël Torah. Et comme chaque semaine, le Tunisien, le rabbin, le Tunisien, pour vous raconter un peu la paracha en quelques minutes. Alors restez là, écoutez bien, le Rav a toujours quelque chose de très intéressant à vous dire. Alors, t'as vu quelle ou pas paracha? T'as vu comment je t'ai présenté ou pas? Bah, on va voir si c'est vrai. Ah, on va voir on si va c'est voir vrai. Si en quelques minutes... Alors, paracha Vayetse, c'est ça? Vayetse. Il est sorti. Qui c'est qui est sorti? Je sais pas, hier soir par exemple, je suis sorti, j'étais au restaurant, mais je pense pas qu'il parle de moi. Alors de quoi on parle? Yaakov Avinu qui sort. Il va où? Il va où? Il va de où d'abord? D'où il sort? De chez lui. Ah, de Gaza. D'Eretz Plishtim, où il était. Non, Yaakov. Yaakov, ah. Israël. Il sort d'Israël. Ah oui, il va chez Lavan. Il va chez Lavan, le blanc. Le blanc. Il était si blanc que ça? On l'appelait le blanc, à mon avis, c'est louche. Déjà qu'on l'appelle le blanc, c'est qu'il veut cacher beaucoup de choses. En tout cas, Avraham, il sort de Chutz Laaretz vers Eretz Israël. Yitzhak qui naît, il vit en Israël. Yaakov naît en Israël et il va vers Chutz Laaretz. Chutz Laaretz. Où ça exactement? Chez Lavan. Il habite où? Haran. C'est où Haran? Kurdistan. Ah ouais, c'est nord d'Israël. Syrie, Turquie, Kurdistan, là-bas en haut. Ah ouais, il a marché longtemps. Peut-être quoi. Homs, là-bas, je sais pas. Il s'est sauvé en fait. Il s'est sauvé il a eu peur d'Esav parce qu'il lui a piqué sa bénédiction. Bon, piqué. Il lui a négocié, mais comme Esav a une petite tête, il avait oublié qu'il avait déjà négocié. Donc il se sauve, il a peur de son frère. Et il va chez son oncle, Lavan, qui est le frère de qui? Rivka, sa mère. De Rivka, sa mère. Mais la Torah ne nous dit pas il est allé chez Lavan. Elle nous dit il est sorti de Beersheba. Il est sorti d'Israël. Et il va. Pourquoi on nous parle de sa sortie? Rachid dit quand le tzaddik il sort, c'est un événement. La splendeur de la ville, le nom de la ville, la beauté de la ville, elle quitte. Mais il y avait Yitzhak. Yitzhak, c'est vrai. Mais il était peut-être à Hebron, Yitzhak. On ne sait pas. Mais Yaakov, il sort, il y a quelque chose qui manque. La bracha, elle part, tu penses? La bracha, elle part. Mais ce n'est pas seulement la bracha qui part. Et ça, c'est important pour nous de savoir. C'est que quand le tzaddik, il part, il prend son bagage avec lui. C'est quoi son bagage? Si on peut dire entre guillemets, il prend la shrina avec lui. Tout le monde connaît l'histoire, la ganénette. Comment on dit la ganénette? La métapelette. La ganénette, c'est celle qui s'occupe des... Au jardin d'enfants qui nous a raconté le rêve de Yaakov avec... L'avion, l'avion. Non. L'échelle. L'échelle de Yaakov. Et Rachid nous raconte que l'échelle, elle avait le pied ici, la tête là-bas, et le milieu, elle était au-dessus de Jérusalem, du Har HaMoria. Et Akadosh Baruch Hu, il a bougé le Har HaBait, le Har HaMoria, là où il y a eu l'Akeda, là où il y a le Beth HaMikdash, et il l'a amené vers Yaakov. Donc quand le tzaddik, il part, Kaviachol, la Shrina, le Beth HaMikdash vient vers lui. Ça veut dire qu'à Bethel, là où il a fait son rêve, il y a le Beth HaMikdash qui est venu à Bethel. Voilà. Voilà, papa et maman qui habitent à Bethel, vous avez le Beth HaMikdash à côté de vous de temps en temps. Bah, ce papa-maman dont tu parles, c'est mes parents. C'est peut-être ton papa, ta maman, mais c'est tout le monde. Chaque tzaddik qui voyage, la Shrina, elle vient avec lui. Les Juifs ont quitté Israël à la destruction du Temple. Qui a quitté avec eux? La Shrina. La Shrina. Là où les Juifs vont, la Shrina va avec eux. Donc la Torah dit, c'est vrai qu'il a quitté Israël, il va vers Lavan, mais la Shrina vient avec lui. Vayetse Yaakov, il a pris avec lui la Kedusha. Là où le Juif y va, il prend la Kedusha avec lui. D'ailleurs, la Gemara nous dit, on n'a pas le droit de quitter Israël, mais quand les Juifs sont allés en exil, ils étaient à Babel, en Irak, on n'a pas le droit de quitter l'Irak. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est là. Les Juifs, après, ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Pologne, ils sont allés en Allemagne. Ils étaient de partout dans le monde. Ils ont étendu la Shrina? Exactement. Le Chafetz Chaim, il dit, quelqu'un il a dit, je veux quitter la Pologne pour aller en Amérique. Il dit, tu quittes pas. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est marqué qu'on ne quitte pas Israël, c'est marqué qu'on ne quitte pas Babel. Ici, il y a la Torah, maintenant, tu ne quittes pas pour aller en Amérique, il n'y a rien là-bas. Comment tu peux quitter la Torah? Il dit, mais c'est pas Israël, il dit, ici. Il dit, là où il y a les Juifs et il y a l'étude de la Torah, c'est là-bas où la Shrina elle est. Tu ne quittes pas. Okay. Donc ici, on l'apprend que quand le tzaddik qui part, la splendeur, la beauté de la ville part. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle part avec lui. Mais aujourd'hui, la Shrina, elle est revenue en Israël, on est d'accord. Je te raconte une histoire d'il y a 80 ans. Oui. Dans les années 1935, Shimshon dit qu'il faut parler fort. Oui. 1935, il y a un juif qui veut voir son Rav. Ils ont eu un coup, là. En Lituanie. Ouais. Et il lui dit, Rav, est-ce que je monte en Israël? Il dit oui. Il dit, mais la Shrina, elle est où? Il dit, j'étais en Israël. Moi, j'ai dû rentrer ici en Pologne, mais moi, je te dis, elle est partie en Israël. Elle a quitté la Pologne et en Israël. Vas-y, là-bas.
Là où le juif y va, là où le peuple juif il est, là où la Torah elle est, la Shrina elle va. Aujourd'hui, la majorité de la Torah du monde est en Israël. Donc la Shrina, bien sûr, est revenue en Eretz Israël. Mais, encore une minute si tu permets. Ouais, moi je permets. Vous pouvez attendre une minute s'il vous plaît. Quand un juif il va travailler par exemple, il va en Chine, il va acheter de la marchandise. Il est là-bas de dimanche à jeudi. Il ne faut pas oublier de prendre la Shrina avec lui. Alors, il faut... Il faut garder sa kippa, garder sa Torah, garder ses tefilines. Les Chabad, ils prennent le petit livre. Ouais. Chitat, c'est quoi? Chumash, Tehilim, Tania. C'est bien. Ils prennent avec eux la Torah. Chacun qui voyage, il doit garder la Torah. Il y en a qui gardent le Shabbat, ils gardent la Kashrut, ils gardent les mitzvot chez eux. Mais quand ils vont en vacances... Ils n'ont pas de passe dans la valise, c'est lourd. Et on ne peut pas trouver sur AliExpress un sac à Shrina. Hein. Ce n'est pas un truc qui se... Peut-être qu'ils le vendent sur Google, sur quoi on appelle ça là. AliExpress. AliExpress. Je pense que vaut mieux prendre la vraie. Le petit choumash avec toi. Le petit choumash, les tefilines, le manger kasher, les mitzvot, la kippa. Là où le juif y va, il doit garder avec lui sa Torah. Et d'ailleurs, c'est ça que Lavan dit à Yaakov. Quand... Il finit chez les 20 ans chez Lavan, il retourne chez Esav. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il retourne en Israël, il rencontre Esav. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, j'étais chez Lavan 20 ans, mais j'ai gardé toute la Torah. Elle est venue avec moi. Yaakov, il sort avec la Torah et il revient avec la Torah. Voilà. Et pas qu'il perd les péotes, la kippa, les tzitzit, les tefilines, et Shabbat et la kashrout en chemin. Et c'est comme nous, c'est pas parce qu'on est à la mer qu'on a perdu la Torah. Non, c'est vrai. Cette année, c'est la mer le décor. Ouais. Bon, peut-être. Voilà. Faut demander à Shimshon ça. Ah. Ou à ceux qui nous voient. En tout cas. C'est quoi Shimshon le décor? Le désert. Le désert. Ah. Alors même quand on va dans le désert. Même quand on va dans le désert, on garde la Shrina. Chazak. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas votre sac à Shrina si vous voyagez à l'étranger.